et la Nubie. Et entre autres, il y avait ce photographe, Abd Fattah Aïd, qui avait consacré tout son temps et son effort à documenter les femmes et la vie ethnographique à l'époque. Nous avons choisi ces deux photos en particulier. On n'a rien fait, on n'a rien changé. Ça, c'était le format qui a été utilisé. Et on les a encadrées juste comme elles étaient, aussi petites que ça. Voilà, nous sommes très, très heureuses de cette collection. On ne montre que deux, mais nous avons un album entier de 500 photos de la Nubie de cette période. Beaucoup d'entre elles sont des femmes. De la Nubie, ça c'est une photographe contemporaine. Et donc, on voit comment la vie jusqu'au XXe siècle, dans certains aspects, n'ont pas beaucoup changé. Oui, ça date pas de loin, c'est 1989. Oui. Et c'est bien c'est la fierté d'être prise en photo. Ça, c'est la fierté des Nubiens qu'ils tiennent à leur tradition et à leur coutume. Revenir au temps moderne, il y a deux photos là, deux photos, l'une du pape, le défunt, le pape Jean-Claude III, et l'autre déchu. Et je pense là qu'il y a pas mal de polémiques parce que c'est fait à partir de Photoshop, si on peut le dire, parce que les dimensions sont tout à fait différentes. Il y a le président déchu et il y a son fils. Gamal Moubarak était de l'autre côté, donc de par les dimensions, moi j'ai l'impression que les deux photos ont été collées ensemble. Moi aussi j'ai eu cette impression dès qu'on a vu cette photo, mais j'ai regardé plus soigneusement et je dirais que mon analyse c'est que c'est un poster qui est mis derrière la colonne et le fils qui était juste en ce même moment dans cette pose qui sont dos à dos le père et le fils comme pour dire qu'ils vont dans deux sens différents et c'est justement ce qui s'est passé dans ces années récentes. L'ironie de cette photo c'est que le mot qui est écrit en arabe El Qiyada ça veut dire le leadership alors qu'ils vont dans des sens différents et qu'il n'a pas suivi le père. Alors ça c'est l'ironie de la photo qu'elle soit Photoshop ou pas. Moi je suis pas experte en photographie mais j'ai l'impression de par les différentes dimensions que les deux photos ont été collées ensemble. Enfin, je ne sais pas. C'est mon impression. C'est ce bon, que ça alors, donne, en tant que... dans ce cas, qu'elle soit Photoshop ou pas, elle a réussi à provenir à susciter les questions, parce que l'un de nos buts dans cette exposition, c'est de montrer des techniques différentes. Et donc, la Photoshop, c'est une technique approuvée dans la photographie. Alors, si c'est la seule qui est Photoshop parmi tant d'autres photos, nous demandons aux étudiants de la reconnaître. Thank you.
d'avoir voyagé un petit peu dans différentes époques. Et là, je vois la photo du grand, je ne sais pas comment le décrire, Omar el-Sherif. Et Omar el-Sherif, tout au fil des années, a toujours été admiré. C'est vrai que c'est une émission de femmes, mais justement, parler d'Omar el-Sherif, c'est faire plaisir aux femmes. Donc, pourquoi est-ce que vous avez pensé au grand Omar el-Sherif? Bon, le vrai contexte, c'est qu'on avait lancé il y a quelques années une campagne de lecture. Et donc, il nous a fallu un poster fait exprès pour le diffuser parmi les étudiants, pour les encourager à lire. Et donc, ce poster a été fait exprès pour l'université. Il y avait le slogan « De lecture, lisez, écra » en arabe aussi, pour les encourager. Alors, les jeunes, quand ils le voyaient, ils voyaient un personnage très connu, très, très aimé. Ça les encourageait eux aussi à suivre son parcours et de lire comme lui leur demandait. Mais en fait, ce poster, quand il a été, quand il a apparu, il a eu beaucoup de publicité parmi les jeunes, les filles, les étudiantes. Ils l'ont beaucoup admiré. Alors c'est un poster qui, à notre avis, a été vraiment très réussi, à un tel point que tous les posters suivants, on a eu des difficultés à trouver quelqu'un d'aussi populaire parmi les jeunes, mais surtout parmi, je dirais même, parmi les fonctionnaires femmes de l'université, voilà, et les professeurs qui... Le photographe de la photo, M. Barry Iverson, qui est un grand ami à l'université, qui est très, très lié, il est aussi très connecté avec un photographe qui s'appelait Van Leo. Et Van Leo, qui est un photographe arménien dont nous avons les archives ici à l'université, il faisait il colorait les photos. Et en soi, c'est un art. Alors les anciens photographes jusqu'aux années 60, ils se nommaient photographes peintres. Alors la technique de photographier une photo, bien que ça n'existe plus maintenant, c'est quand même un art en soi. Et certains photographes se vantent de pouvoir encore colorer leurs photographies. Le charme d'Omar el-Sherif en tant qu'un jeune premier, mais aussi à son âge maintenant, il continue à avoir le même impact sur la société égyptienne. La disposition des photos, c'est quelque chose qu'on avait calculé au moment même où on choisissait, où on sélectionnait. Alors on savait que, par exemple, une photo en mosaïque allait correspondre à la photo de Mekel Soub. Alors dans le choix même, on savait. Bien que vers la dernière minute, il y avait un peu de manipulation et de changement, mais on était tous en coordination. Mais la grande responsabilité de la disposition des photos allait à ma collègue Noura Bahgat, conservatrice de la galerie. Est-ce que ça a été fait, la disposition a été faite par l'époque, Plus ou moins, si vous avez remarqué, à la rentrée, il y avait un coin dédié aux anciennes photos, puis un autre coin pour les photos en couleur, un autre coin pour des photographes divers, le blanc et noir, le grand contraste. Alors, plus ou moins, mais ce n'était pas une règle très rigide. Relacez-vous personnellement, tous les matins, en allant au bureau, que ressentez-vous alors que votre mission essentielle, c'est de feuilleter les photos, de les garder, de travailler sur ces photos? Personnellement, je suis toujours à la recherche d'une nouvelle photo en tant que photographe, mais en tant que conservatrice d'une collection, je cherche toujours de nouvelles collections à acquérir. Je cherche à voir ce que les autres archivent, mais aussi au moment où nous avons des expositions, de voir quel est l'impact, qui sont les nouveaux étudiants qui sont venus faire, s'ils veulent questionner, s'ils ont des questions, comment est-ce qu'on peut diffuser la connaissance des photos, comment est-ce qu'on peut approfondir nos connaissances, trouver des parallèles. Alors, je suis dans un autre sens en tant que conservatrice, je suis aussi toujours à la recherche de nouvelles photos et à découvrir ce qu'il y a dans ces photos, est-ce que nous connaissons suffisamment, est-ce qu'il y a des personnages à être identifiés, est-ce qu'il y a des maisons, de l'architecture, et comment est-ce que nos collections dans les archives peuvent relier les unes, comment est-ce qu'on peut les relier les unes aux autres. Et quelles sont vos sources pour avoir des photos? Il y a c'est surtout des donateurs, à présent. Mais il y a eu un moment où les anciens recteurs de l'université ont été très généreux quand ils ont trouvé de nous donner une collection exprès pour la collection des livres rares. À présent, on peut trouver des photos sur Internet, mais est-ce que la sensation est différente en ayant la photo
sur une carte. Oui, bien sûr. Le meilleur moment, c'est quand on a une collection entière, un archive entier qui vient d'arriver, même s'il n'est pas trié. En fait, c'est mieux s'il n'est pas trié, parce qu'on commence à découvrir, on ouvre, on fouille, on feuillette les albums. Ça, c'est vraiment le meilleur moment. Alors, quand on les touche, on les voit, même si elles ont besoin de conservation, certaines, on les envoie au laboratoire de l'université. Et puis, oui, bien sûr, c'est un sentiment entièrement différent, bien plus vif et émotionnel. Évidemment. Et comment faites-vous pour identifier les personnages qui sont sur les photos ou les paysages? Bon, le plus facile, c'est toujours de regarder au verso, si c'est marqué. Si les collections viennent d'un archive particulier qui vient de nous être donné, nous avons recours à la personne qui nous a donné ou bien à la famille et on cherche, on demande si on peut identifier une personne dans la photo en regardant l'histoire de cette personne, qui étaient ses contacts et qui étaient les amis. Un autre moyen, c'est aussi de voir la date de la photo et puis d'essayer de vérifier qui étaient les personnes. Ça, ce sont les sources les plus essentielles. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes orientée vers ce métier? Bon, depuis mon enfance, j'ai toujours aimé la photographie. Et puis, je commençais à collectionner moi-même mes propres photos. À un moment donné, j'ai eu un contact avec une réalisatrice d'un programme qui m'avait demandé de faire un épisode sur la rue Asreni, les rues du Caire. J'avais pas assez de photos, ça c'est il y a 20 ans. Alors j'ai dit, à partir de ce moment, je vais commencer à collectionner. Et là, je me suis trouvée à un moment donné avec de très grandes collections qui m'appartenaient. Je commençais à voir qui étaient les autres collectionneurs, qui avaient quoi. Et quand l'université s'est trouvée avec ce grand lot de photos qui étaient dispersées dans des endroits différents à la bibliothèque, ils m'ont demandé si je pouvais gérer cette collection. Maintenant que les appareils de photographie sont très développés, très sophistiqués, est-ce que vous trouvez que les photos que nous prenons à présent sont plus réelles ou les photos d'autrefois avec un équipement beaucoup plus simpliste? Non, franchement, je dirais que les anciens appareils des années 80 et 90 n'étaient pas plus simplistes, c'était plus compliqué à utiliser. Plus les années avançaient, plus les appareils devenaient simples à utiliser. Mais je veux dire par simpliste, c'est qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose à faire, il n'y avait pas de retouches, il n'y avait rien. C'est vrai que c'était un grand appareil, mais on ne pouvait que prendre la photo. Alors que maintenant, avec un tout petit appareil, ça a l'air plus simple, mais il y a énormément de choses à faire de manière à embellir la photo. Ne croyez pas que avec les anciennes photos, on ne faisait pas de retouches. Les retouches, on les fait toujours dans la photographie, soit par en les coloriant, soit parce que nous vivons dans une atmosphère assez polluée. Il y a beaucoup de poussière, alors il faut couvrir les points noirs où ça, les points blancs où ça apparaît. Alors les retouches, on les fait toujours. Je dirais qu'il y a 5 ans, on doutait des appareils numériques. On disait non, ça n'accentue pas, ça n'aide pas beaucoup à la créativité, ça n'a pas fait beaucoup avancer la photographie. Il faut reconnaître que maintenant, dans la photographie, il y a une nouvelle branche, celle de la branche de la créativité humaine et du Photoshop et de l'ordinateur. Cette manipulation, c'est fini. Il faut reconnaître que c'est un art. Et c'est un art photographique aussi. Hola Saïf, bon, je vous souhaite beaucoup de succès et une bonne errance, si on peut le dire, ou un bon voyage au travers des siècles, à travers vos photos, au milieu de vos photos. Merci beaucoup.